gouvernement débarqué, tout ministre là, directeur général, secrétaire d'État, viennent travailler sous problème si grave. Mais en plus de ça, nous venons entendre nous venons entendre toute population par secteur. On a commencé avec le secteur éducation aujourd'hui. Nous allons parler de l'école gratis, qui est un programme l'école gratis à fonctionner dans Tigouave. Nous allons parler de programme d'alphabétisation. Nous allons parler de lycée, de problèmes que le lycée est capable de gagner. Ensuite, nous allons aller dans le secteur affaires étrangères, côté que nous connaissons que nous avons offert des bourses d'études dans le gouvernement de la CAI qui était fait Kafou. Il y a des étudiants qui passent un concours pour ouvrir des bourses pour aller en Inde, pour aller étudier en Inde. Donc, nous avons boursiers qui là, qui peuvent venir faire un parler. Ensuite, nous allons entrer dans la santé publique, en dans la ville là. Et nous allons entendre des populations parler avec nous de questions de santé à de l'hôpital. Nous allons parler de ça, nous faisons et nous allons entendre des peuples là. Pour ça, nous besoin de faire en plus pour que d'améliorer le système de santé dans la ville. Ensuite, nous allons entrer dans le projet social. Côté ministre des Affaires sociales, là, ensemble avec le directeur FAES, là, ensemble avec des bénéficiaires, pour aller parler avec la population de Tigouave. Et nous avons attendu tout, sa population de Tigouave pense de programmes sociaux. Dans le cadre de formation au métier en milieu scolaire, que le président de la République a demandé de lancer. Nous avons 284 élèves dans le troisième cycle, 7e année, 8e année, 9e année, qui pendant 2012-2013 ans bénéficiaient du programme. Nous avons construction bâtiment, 89 élèves qui bénéficiaient de construction bâtiment, électricité, 30, plomberie, 59, et informatique, 126 élèves. L'idée du programme, ça, c'est qui ça? Étant donné que le gouvernement, dans la logique de école fondamentale complète, ça veut dire de la première année jusqu'à la 9e année, le Timounan a sorti dans la 9e année, le gouvernement voulait que Timounan ait un métier pour commencer suffisamment armé pour être capable de rentrer sur le marché du travail. Là. Donc c'est dans ce sens que nous avons lancé le programme ça, et Tigouave bénéficiait de 284 monde Tigouave, élèves Tigouave, qui bénéficiaient du programme. Là. Pour question Psygoua, pour le ministre, 2012-2013, nous avons gagné 383 écoles qui sont dans le programme Psygoua. Et combien nous avons gagné? Nous avons gagné 38 646 timoun, élèves qui sont dans le programme Psygoua. Pour année ça, nous avons gagné 16 595 nouveaux élèves qui sont entrés dans le programme. Non, on parle de tout Tigouave, commune Tigouave. Ce qui ramène nous à 55 241 timoun qui sont dans le programme l'école Tigouave, l'école gratis. Là. Donc nous avons 55 241 timoun qui sont dans le programme non, qui bénéficient de la gratuité scolaire. Timoun Sao, l'école yo là, la liste des écoles. Et map tout rappelé au PM et gain quelques corrections dans le programme dans la commune on a poté, mais nous tout mettons en place y a un comité pour gérer le programme non en Tigouave. Premièrement, bah nous état des lieux de questions dans Tigouave. Dis-nous qui ça plus gros besoin en dans ville Tigouave dans question éducation pour si la mettre sous plan d'action. Comment on a fait et on a mis en perspective à court terme pour que nous soyons capables de venir en aide à ce problème que vous avez cité là. Nous sommes arrivés à identifier plusieurs problèmes qui ont au niveau de Tigouave et le ministre de l'Éducation nationale, Vanier Pierre, a commencé à agir dans ce sens-là. Il y a un problème de nomination, surtout dans le lycée Faustin Soulo, qui a empêché le lycée à fonctionner. Et arrivé comme directeur adjoint au niveau de l'éducation départemental de l'Ouest, nous avons arrivé à identifier avec le directeur Batista le problème. Je dis à là, nous arrivons à gagner 28 lettres de nomination présentement pendant la parole là qui arrivait au niveau de lycée Faustin Soulo.
dans le domaine de l'éducation Tigouave là, il y a deux questions. La première question que je vais poser pour à travers l'élève nouveau secondaire, yo, qui est différent, qui a fait apparition en 2007 à Petit Gouave, qui est différent des programmes traditionnels. Yo. Alors que yo te promet nous, là nous finis dans le programme, nous avons une opportunité pour entrer dans la faculté. Mais la faculté travaille sur le programme traditionnel, mais nous-mêmes, nous avons des programmes qui sont différents. Exemple, nous avons pile matière qui n'est pas fait, tant que littérature, algèbre, pourquoi pas tant d'autres encore. Mais là nous finis, est-ce qu'il y a toujours même possibilité à, pour nous retourner dans le travail programme traditionnel, pour nous entrer dans la faculté de l'État? Ça a dit nous-mêmes, ça a été pour maintenant, nous ne pas jouer. Parce que la faculté de l'État a eu concours basé sur le programme traditionnel. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer ça. On a demandé au Premier ministre, ça son programme, ça son problème qui est vraiment grave pour les élèves nouveaux secondaires, malgré qui toujours fait effort, qui casse les têtes pour entrer dans la faculté de l'État. Même parce que ça son handicap lié. Et puis en plus tout, et ça que m'a demandé pour Tigouave, pourquoi pas chaque année nous toujours bas en pile philosophe, pourquoi pas nous pas bah nous on campus université, parce que Tigouave mérite ça. Plein livre dans pays, plein livre pour éducation, t'es cap bah nous livre qui marchait avec programme yo, avait dit que pour nous capable gagner une bonne éducation pour élèves yo, l'école ça apportait tel livre, l'école ça apportait tel livre. Il y a un livre qui va même marcher avec le programme que est au bail là. Avec dit nous avons besoin que pour l'État, pour l'éducation nationale, tu apprends ça au sérieux, tu as un livre qui marche avec le programme pour l'éducation capable en forme dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Fondez-nous la Tigouave. Nous faisons qu'enregistrer 2137 mamans dans 13 écoles. Alors, Ma bonne l'école, dans quelle école que nous enregistrons maman. Yo. Et comme Premier ministre m'a décidé n'a pas ajouté, nous allons ajouter 1000 sous maman ça, mais fonds chita avec magistrat yo, pour le bon nom l'école qui est dans l'autre section communale que, qui passe sous liste l'école ça. Nous enregistrons 158 mamans dans l'école communautaire de Belle Avenue. Nous enregistrons 300 mamans dans l'école communautaire de Fort Liberté. Nous enregistrons 342 mamans dans l'école nationale du Sacré-Cœur. Nous enregistrons 69 mamans dans l'école Immaculée de Conception. 310 mamans dans l'école communautaire de Four à Chaux. Nous enregistrons 89 mamans dans l'école nationale de Charlemagne. Nous enregistrons 75 mamans à l'école nationale de Tapion. Nous enregistrons 222 mamans à l'école nationale de filles de Petit Gouave. 228 mamans à l'école Borne-Lamar. 111 mamans à l'école nationale Léonie de Vismorency. 60 mamans à l'école nationale de Madeleine. 69 mamans à l'école nationale Maurice David. Et 104 mamans à l'école Mix Frère Abner. Ça fait 13 écoles. Et ça fait 2137 mamans. Nous voulons faire maman ça reconnaît que avant fin décembre, payroll là a fini pour y toucher. Et nous voulons ajouter 1000 autres mamans dans l'autre l'école, mais nous chita magistrat pour être capable de nous l'école dans des autres sections qui parlent là. Social ça. Et même quand vous êtes pour me dire là que. Après intervention de programme, ça après 12 mois, et bien, le nombre de communes ça a passé de 44 à 14 communes qu'on y a en journée aujourd'hui. Et donc c'est un programme qui a des résultats. Et donc nous obligés, nous connaissons que les ressources budget l'État pas, Jean-Ministre Financier Messi n'a pas élastique premièrement, et pas tellement énorme pour que nous puissions couvrir toutes les communes en même temps. Donc nous avons dit que effectivement, Tigouave va avoir une priorité en termes d'intervention sociale. Mais malgré ça, il y a trois nos programmes qui sont arrivés déjà. Et bonne solidarité est arrivée. Nous avons 3500 bons déjà dans Tigouave pendant l'année qui va se passer. Mais nous avons des perspectives pour la nouvelle année qui va venir. Et comptez que le programme ça a pas un petit peu accéléré. Malgré que dans 14 communes que nous disons qu'il y a sous le CNSA et sous les SOMPES, mais nous avons un programme qui pas un petit peu accéléré dans Tigouave. Et c'est ainsi que, avant le 26 décembre, nous allons distribuer 1000 kits de pêche. Association pêcheurs qui nous sommes avec le ministre paysanier et nous allons distribuer 300 nouveaux kits de semences.
Ensuite, nous allons bailler 500 nouveaux petits mon chéri. Donc, nous allons mettre un kit là à 5000 pour Tigouav. Aujourd'hui, les gens qui ont la possibilité, les étudiants qui ont la possibilité de participer au processus de sélection, pour que le ministère des Affaires étrangères, avec combien de côté gouvernement, ait fait promesse, motion, nous avons organisé un concours. Et je l'ai aujourd'hui, nous comptons que les étudiants aient accepté de participer dans le gouvernement de la CAE Tigouave pour que nous venions partager l'expérience avec les étudiants qui ont la possibilité de bénéficier de bourses d'études. Normalement, nous avons offert 15 bourses. Et suite à un processus de sélection et de concours, nous avons 15 étudiants qui peuvent aller dans le Maroc dans la première semaine janvier. Les étudiants sont présents avec nous. Nous avons représentants étudiants qui viennent partager rapidement l'expérience et comment ils ont été au concours. C'est important que nous expliquions le processus là, qui gens que nous appliquons pour bourse là. Ça nous fait pour nous gagner bourse là et puis qui gens sentent nous tout. Parce que nous croyons que nous allons représenter le pays. C'est l'ambassadeur du pays à nous. C'est pour ça que c'est pays affaires étrangères à tout. Nous croyons depuis une partie, la partie première semaine de janvier, c'est l'ambassadeur du pays à nous. Il faut nous représenter le pays avec honneur. Il faut nous représenter le pays. Ensuite, il faut nous donner. Il faut nous donner. Parce que nous avons une connaissance là-bas. Il faut nous donner venir des pays. Comment nous? Bon, ça fait bien. Avant tout, je dois me présenter. Je suis exhumée Marie-Sophia. Moi, c'est une personne qui a bénéficié d'une bourse d'études pour Maroc. Après, moi, j'ai fini de subir l'examen pour philo. Mais cependant, moi, je dois dire tout spécialement, j'ai aussi dit tout à l'heure, moi, c'est une personne qui est spécialisée dans la partie nouveau secondaire. Moi, je voulais dire que ce n'est pas un bagage qui fait dans la partie prix. Peu importe où tu es petite soeur, depuis que tu as une connaissance ou intelligent ou n'importe ça où tu dans la vie. Je remercie le gouvernement pour tout support que nous avons. Le gouvernement Martelly Lamotte là, nous vraiment féliciter et que nous promettons à tout staff ça qui vient pour aller au Maroc, nous allons continuer le travail pour nous prouver que nous sommes jeunes et ceci nous pauvres dans nos façons, mais nous sommes pour nous riches à cause de connaissances parce que c'est connaissance qui est importante que toute bagaille. Ministre Affaires sociales, parlez de programme en Neuville Tigouave. Parlez-nous tout de qui j'ai l'autre restaurant avancé dans l'autre gouvernement la CAE que nous défait Kafou, Milo avec Delma. Et parlez-nous de ce qu'a fait dans la ville là et ce qu'a fait à le faire. C'est avec un vil plaisir, je dis à nous capables d'annoncer que dans Rue de Saline, avec notre cité Pierre-Louis, nous avons deux restaurants qui ont commencé à fonctionner aujourd'hui. Hein. Et chaque restaurant a une bonne capacité de production de 500 plats par jour et manger avant 10 gourdes. Je demande aux populations pour être capable d'aider nous confirmer que pas de personne qui fait ne paye pas plus que 10 gourdes. Parce que la supervision nous montre que nous avons quelques côtés, il y a des gens éventuellement qui sont capables de jouer une arrestation, qui essayent de vendre plats plus que 10 gourdes. Et aidez-nous nous-mêmes l'État pour nous confirmer que plat manger arrivé 10 gourdes sous nous. Nous avons trois autres restaurants qui ont privé sous Tigouave et lui-même n'a pas quitté que maire là, confirmé dans qui zone que nous avons mis. L'autre nouvelle sur le restaurant, c'est que nous demandons pour un pourcentage de plats, environ 50 plats par restaurant, qu'il y ait des handicapés, qu'il y ait des hospiciaux et qu'il y ait des prisonniers tous les problèmes. De façon à ce que nous fassions solidarité avec les gens, non seulement qui n'ont pas le pouvoir pour acheter, mais qui ont contre tout, qui n'ont pas le droit de manger. Et sous base ça, nous avons des concours magistrats qui sont capables d'aider nous dans la logistique là, qui sont capables de faire que les plats aient bénéficiaires directement quand ils ont besoin. Deuxième point de travail que nous avons pour Ville Tigouave, c'est l'asile communal qui est dans ces gens de Dieu. L'asile communal, ça, il y a 8 petits Guinéens. Le monde qui est responsable, c'est Marie-Thérèse Maillard, et il y a 150 personnes la donne. Et dans le cadre de services proactifs, 15 assistants sociaux là, nous n'avons pas tant de problèmes dans la ville de nous essayons au-devant de problèmes.
nous décidons dans le cadre de la mission CAS pour nous capables de porter aux subventions mensuelles dans l'asile communal qui a commencé à partir du mois de janvier. Nous-mêmes, dans le TICOM, nos produits de SMACOS, c'est un produit côté que tout le monde aimait le produit de SMACOS que nous avons. Donc, nous avons trois mondes dans le TICOM qui sont capables de représenter le SMACOS, qui sont capables de le faire, qui sont capables de la voix et la famille là-bas. Donc, nous avons décidé de nous mettre des points ensemble pour nous avancer avec l'entreprise de SMACOS. Nous-mêmes, pourquoi non, nous au moins gagné une activité de 15 à 20 mètres de travail. Mais cependant, moi, l'économie n'a pas permis de être capable d'avancer ou d'agrandir le business. Mais cependant, et monsieur le Premier ministre, nous mettons devant la jeudi, non, façon côté que pour être capable d'agrandir l'échelle de ce macro-là, soit national ou international. Parce que c'est rêve, nous allons aller et représenter le pays d'Haïti dans le produit local que nous-mêmes avons produit. Vous produisez combien de ce macro-là? Par jour, nous produisons aux environs 10 boîtes, 15 boîtes, ça dépend de l'activité. Nous allons produire 20 boîtes de ce macro-là. Chaque boîte, il y a combien de ce macro-là? Chaque boîte, dès que vous coupez une boîte, tout ça, ça fait aux environ 1 500 $. 1 500 $. Combien de litres il y a là-dedans? Chaque même bateau, c'est 25 $. Ok. Donc, qui ça a besoin, en termes d'appui, de support, pour capable de passer de 20 boîtes à 30, 40, 50 boîtes? En premier lieu, nous avons carence de lait qui a battu nous là. Nous n'avons pas assez de bœuf qui peut aider à produire quand c'est lait que tu as besoin pour être capable de faire de ce matos là avancer. Avec la besoin de sucre et l'autre ingrédient pour être capable d'améliorer tout ça, la saveur, ça va jouer pour tout ça, petit carotte. Oui, ça c'est tout ce matos là. Mais le premier problème, non, c'est le lait là. Ministre de l'Agriculture, moi tendez et contrainte que producteurs de SMACOS ont gagné. Et c'est peut-être ça, je parle ensemble avec le secrétaire d'État production animale là pour regarder comment nous sommes capables de mettre en place un programme au niveau de Tigouave pour permettre que nous augmenter la tête de bétail bœuf au niveau de Tigouave. Ça, c'est le premier aspect. Nous pensons que le fait que vous faites plus de SMACOS, ça permet que et bien gagne plus bœuf, mon a élevé plus bœuf dans Tigouave et ça va faire que famille haïtienne a gagne plus comme d'apporter la caille. Est-ce que nous avons accès à crédit? Oui, nous avons accès à crédit, mais nous avons parce que la vague est là pour que le problème, pour que le problème parce que nous avons répondre au crédit. Donc problème énergie, c'est un problème pour s'en adresser dans le un programme de renforcement de l'entreprise qui travaille sur le SMACOS. Pour nous aider à jouer une subvention pendant quelques années, pour être capable de gagner l'infrastructure nécessaire, l'équipement nécessaire là, pour permettre qu'en même temps, nous résoudre le problème environnemental, le SAIAP, qui va couper un pile bois encore, le SAIAP utiliser l'autre énergie, et en même temps permettre que l'entreprise développe pour être capable de répondre à coût énergie. Et qui gère nous et financement, quand nous faisons le financement. Je connais que nous avons écrit pour le gouvernement pour demander un support, un appui. Et nous devons annoncer que nous avons approuvé l'appui ça. Et le gouvernement a appuyé chaque entreprise à hauteur de 500 000 gouttes par entreprise. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président.